Wow, vous m'avez tellement manqué. Merci pour vos messages sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Vraiment, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pauline, a.k.a. Tatapo, a.k.a. Tatapo sans pays. Alors, nous sommes ici pour parler de ça, de cette chose qui se passe au Nigeria. Et je sais que non, beaucoup de gens vont venir dire, oui, Tatapo, pourquoi tu es en train de parler de ça lorsque tu vois même, tu portes les perruques, tu ne t'assumes pas. Ouais, fermez ta bouche. Premièrement, si je porte les perruques sur ma tête, c'est parce que mes cheveux naturels sont nappés 4C. Et ça me prend 4 heures du temps pour fixer mes cheveux. Et je suis tellement occupée. Je n'ai pas le temps de peigner mes cheveux 4 heures. Donc, je mets rapidement mes perruques pour faire ce que je peux faire. Et la femme noire est fatiguée de quoi d'être jugée pour porter la perruque. OK? Parce que les femmes blanches, même... Ah, mais je vais arriver là-bas. OK? Ça, ce sont de quoi? Des cheveux naturels. Vous croyez que ça prend combien de temps pour faire ça? Ça, ce sont les perruques naturelles. Même les perruques afro, ça prend le temps pour fixer ça, ok? Donc, lorsque la fille ici part au travail, elle a l'option soit de braids ou soit de lisser ses cheveux pour rapidement partir au travail. Et comme je parlais des femmes blanches, elles font les tanning, you know? Elle applique les tan, how do you say tanning, you know, tan, comment est-ce que je sais pas comment vous dites ça en français, ok, pour les rendre un peu chocolat, parce que parfois elles sont claires là que ça devient comme pâle, donc elles doivent se, you know, un peu être, you know, color natural, un peu noircir un peu. Donc, je ne vois pas leur mari leur dire, pardon, que non. Oh non, nous, on aime que lorsque tu as ta peau claire, là, OK? Donc, il faut arrêter. 35% des femmes blanches sont addicted à ça. Donc, il faut nous laisser avec les débats des perruques, OK? Alors, je vais vous laisser regarder d'abord cette vidéo qui s'est passée au Nigeria. Et après, je... As you can see, it's very instant. You can see now it's peeling off, and this is December period. So your instant body wash, your whitening instant body wash, it's very, very effective. Just for 30k, the result is instant at House of Inner Body Care and Spa. As you can see. Can you see this? It's so peeling off now. Just come to us if anybody can, but we get this done for you at 30,000 naira. Can you see dead cells peeling off immediately? And so it starts right. Alors, je sais pas, je n'arrive même pas à regarder la vidéo parce que c'est tellement effrayant pour moi, parce que je trouve que non, même les gens qui blanchissent leur peau font ça graduellement, ne font pas juste directement comme ça. Et j'étais choquée comme toute personne qui a vu cette vidéo. Et ça c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que toute la communauté noire doit s'interpeller. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'arriver à ces niveaux ici? OK? This is not like, c'est pas même self-hate. Non, ce sont des problèmes plus profonds qu'on n'arrive pas à soulever. Parce que parfois, nous, les hommes noirs, les noirs, on est tellement hypocrites de qu'on veut dire quelque chose. Ouais, tu as la jalousie ou tu n'aimes pas une personne ou peut-être, oh, laisse-la vivre sa vie. Ce qui est normal, comme j'avais dit que non, les femmes noires sont aussi fatiguées de leur dire qu'est-ce qu'elles doivent faire avec leur corps. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leurs cheveux? It's just too much. Parce que les hommes noirs ont toujours des critères lorsqu'ils veulent quoi? Comment épouser ou lorsqu'ils sont en train de décrire la beauté et tout et tout. Nous avons vu avec le pasteur qui nous avait dit tu peux pas épouser une femme qui est noire comme c'est jour de la mort, ok? Alors lorsqu'il y a de telles paroles qui viennent même des gens qui parlent de Jésus-Christ, lorsqu'il y a toute l'équipe de France qui se marie aux blanches, lorsque la beauté
beauté, lorsqu'une femme claire a toujours de la, est toujours préférée, est toujours l'image d'une femme belle dans, dans notre communauté, amen, ça envoie beaucoup de jeunes ou beaucoup de femmes à vouloir être claires pour aussi être comptées parmi les gens qui sont belles dans la communauté, être parmi les gens qui sont fiers d'être, d'être, de sécuriser les mariages ou comment, parce que moi-même, je suis témoin d'un homme congolais qui m'a dit que non, les femmes noires ne sont pas belles à bikini, elles sont sales en bikini, c'est différent lorsqu'une femme claire porte le bikini. Ça, c'est un homme qui m'a dit ça face to face, ok? Parce que nous étions dans un supermarché et il y avait une femme noire américaine qui était, vous savez, pendant l'été, il fait chaud, donc il y avait l'américaine là qui avait un petit short et juste quoi, et bikini en haut, et il m'a dit que non, c'était vulgaire et tout, pourquoi est-ce qu'elle marche, parce que tous les dérings étaient derrière. Mais moi, je lui ai demandé, mais les blanches marchent même plus qu'avec ça. Elle dit, il dit calmement, Pauline, c'est différent, c'est différent, leur corps, c'est tellement clair, mais pour nous là, c'est juste bizarre, c'est juste bizarre. Donc lorsque vous avez des genres d'expression, on ne peut pas s'étonner lorsque les gens partent et fassent des quoi, fassent des choses comme ça, parce que c'est déjà quelque chose qui nous sort. As a beauty criteria, ok? Donc, pour nous-mêmes, moi, je ne vais pas même mettre un blanc ici, mais parmi nous-mêmes, soyons sincères, lorsque tu as une personne ou une femme qui a le nez, par exemple, bantou, un nez gros, un nez un peu wide, quelles sont les injures que les gens là, vont dire? Hey, regarde ton nez là, c'est gros. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de référer à son nez, parce qu'on pense que non, ça ce sont des traits bantous qui ne sont pas appréciés dans notre beauté, ok? Même les filles soudanaises qui sont les top modèles, lorsqu'on prend les soudanaises, on prend les soudanaises qui ont la morphologie nilotique. Je vais vous mettre les photos sur l'écran et vous allez voir les top modèles qui sont soudanaises. Elles sont foncées, oui, mais elles ont les traits nilotiques selon. Donc, c'est comme si tu es noir, mais tes traits européens sont tellement accentués, ok? Donc, c'est ce qui est en train de vendre beaucoup. Alors, qu'est-ce que les femmes qui n'ont pas, par exemple, la morphologie, qui ne sont pas nilotiques? Parce que beaucoup de Ouest-Africains et Centrafricains, Congolais, on est bantou, ok? Alors, pourquoi est-ce qu'on a déjà beaucoup de critères, d'abord, pour nous rendre belles? On nous a imposé beaucoup de critères pour être distingué ou être apprécié comme une belle femme. Qu'est-ce qu'on a? On doit faire ce que vous êtes en train de voir sur l'écran. Donc, on doit devenir clair dès la peau si tu étais né un peu foncé. Tu dois aller jusqu'à l'extrême pour juste avoir cette teinture pour être apprécié, parce que nos hommes sont des hypocrites, ok? Les hommes noirs, lorsqu'ils veulent se marier avec des femmes noires, c'est là où toutes les conditions doivent s'imposer. Vous avez vu, comme j'avais dit, ok, la femme noire, oh, moi j'aime une femme noire lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle est comme ça, lorsqu'elle est éduquée, lorsqu'elle a le respect, lorsqu'elle est comme ça. Mais lorsqu'ils partent à ils partent dehors de notre communauté prendre une femme blanche, il n'y a pas ces conditions. Il y a des femmes blanches qui sont insolentes. Il y a des femmes blanches qui ne préparent pas pour leur mari. Mais nos frères sont tellement soumis et amoureux là-bas, ok? Et ils sont en train de mettre même les tannings, ok? Pour un peu devenir noir un peu, ça ne leur cause pas de problème, ok? Mais dès qu'une femme, il veut marier à une femme noire, il va poser beaucoup de conditions. Ils veulent même que tu sois comme la Sainte Vierge Marie, parce que pour eux, la femme noire doit être un paquet.
tout ce qu'il reste doit être là. Mais pour d'autres races, il suffit juste d'être blanche. Il ne va pas beaucoup imposer, ok? Donc, ce que nos sœurs sont en train de faire, je sais que ça a choqué le monde. Je sais que non, ce n'est pas bien parce qu'on ne sait pas des conséquences. Mais aussi, il faut avoir aussi l'introspection. Ok, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Les femmes ici ne se sont pas juste réveillées le matin et ont commencé à pratiquer comme ça. Non, il y a quelque chose, ok? Il y a quelque chose qui a intrigué que la femme noire parte chercher de l'aide à décapiter sa peau. Il y a des raisons. Ok, je vais vous laisser d'abord écouter la propriétaire de la place ici qui est en train de s'en foutre enfin de vos opinions. Elle a une Lexus, elle part. Ah mais je vous laisse regarder la vidéo et puis je reviens avec mes commentaires. Going to the cinema. I'm going to the cinema. Let me leave you people with your wala. I'm your problem. I'm your problem on Instagram. I'm your problem on Facebook. I'm your problem on Twitter. Me, I'm going to the cinema to go and watch like 3 movies. So I can leave you people with your wala, with your problem. I'm not working today. Can you imagine? Is it easy not to work and you earn money? All those skincare people that they are abusing me. Ennu ele wa yen gbogbo yin patapata ennu e ni gbogbo wa jowa akujo ntaja ni e ma rojo nkan se yan ba gbin yan ma ka eru ejo se ti gbo eyin were please where is my car key so let me go and watch movie they are here in their shop now they are struggling me I'm here awon ele ri bi Alors, vous venez d'écouter la dame. Elle dit que non, she doesn't care. Elle part regarder 3 films. Vous êtes en train de l'abuser sur Internet. Elle vit sa vie. Elle a une Lexus. Elle a tout, ok? Donc, she doesn't care about you guys, ok? Et vous avez, même si l'État intervenait, ces genres de personnes auront toujours des business parce qu'ils vont faire ça underground. Cela veut dire illégalement, ok? Vous avez vous-même vu les témoignages de Cardi B qui habite aux États-Unis. C'est interdit de faire plastic surgery à une personne si tu n'es pas, professionnel. Mais où est-ce que Cardi B a fait son opération? Ce n'est pas dans you know, she said in a basement, donc dans une cave, une maison et sous-sol d'une maison, là où on l'a fait, ok? Et la personne, elle ne sait même pas si la personne avait le truc, quoi. Il avait la permission de faire ça ou quoi, mais comme elle avait besoin d'une grande, big deringo, elle a fait ça,
OK? Donc, même si l'État intervenait, il y aura toujours des gens comme les gens pareils qui vont faire ça sous sol, qui vont faire ça illégalement. OK? Mais moi, je trouve que non. Vous allez dire self-hate, we need to love ourselves, on doit aimer notre peau et tout, le plus grand problème de la femme noire, c'est l'homme noir, ok? C'est parce que nos hommes ne nous protègent pas, nos hommes ne nous apprécient pas, nos hommes n'évaluent pas, ok? Tu vas souffrir avec un homme noir. Jusqu'à lorsqu'il sera millionnaire, il peut prendre une métisse ou une blanche. Je n'ai pas de problème avec les métisses ou je n'ai pas de problème avec des blancs. Mais je suis juste en train de dire la réalité, ok? Les hommes noirs pensent que lorsqu'ils ont des femmes blanches, ça montre, surtout lorsqu'ils ont, ils sont au niveau élevé. C'est leur succès et tout. Désolée si vous écoutez Laurel, elle est en train de dormir, elle est en train un peu de faire ok, mais c'est ce que je pense. Ok, nos hommes ont un grand problème. Ils ont su comment détruire la confiance de soi de la femme noire. Et maintenant, ça, ce sont juste des conséquences que on doit subir aujourd'hui. Alors, mes sœurs noires, ok, je sais que ça n'a pas été facile pour nous, ok. Je sais que nous sommes fatigués d'être tout le temps sujet des critiques, que ce soit dans le niveau professionnel, tu portes les cheveux nappis, ouais, tes cheveux et tout. Les gens te critiquent par-ci, par-là. À la maison, nos frères nous descendent par-ci, par-là. Mais non, ok. Il faut maintenant regarder, il faut prendre des décisions que toi-même tu regardes, tu dis, est-ce que ça a des conséquences pour ma santé? Ok? Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que même dans la Bible, tout excès nuit, ok? Tout excès nuit, ok? Parce que ce n'est pas normal de quoi? Nous avons la mélanine, ok? Lorsque tu enlèves la mélanine, tu deviens fragile au soleil. Ok, c'est pour cela que tu as le tampon, les tampons. Je sais pas vous appelez ça tampon. Je sais, Jusnovit est en train de vendre les crèmes contre les tampons pour enlever ça parce que beaucoup de gens ne savent pas les soleils et les quoi. Et ce genre de pratiques ne collent pas. Ok, donc il faut savoir. Je sais que nous sommes, c'est out of frustration que nous sommes devenus comme on est, ok? Maintenant, il faut juste savoir à faire des décisions, ok? Même si tu te blanchissais comme ça, est-ce que ça va t'amener quoi dans la vie? Ça peut t'amener des problèmes de santé lorsque tu vas vieillir. Ton visage peut devenir vert, tes joues rouges. Est-ce que c'est ce que vraiment tu veux pour ton visage? Maintenant, posons-nous de ce genre de questions, ok? Est-ce que c'est ce que tu veux? Ok, ça c'est temporaire lorsque tu es jeune homme ou jeune fille, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Mais est-ce que pendant la vieillesse, ça ne va pas t'amener des conséquences, des maladies que tes enfants payeront pour ça? Ok, parce que même on peut dire oui, c'est notre liberté de faire tout ce qu'on fait, mais parfois la liberté ne veut pas dire libertinage. Ok, c'est ce que moi je pouvais vous dire, mes sœurs. Je pouvais vous dire parce que je sais que non, vous êtes naturellement belles, naturellement fortes. Ok, et ça là, ça ne doit pas être jusqu'à ces genres de niveaux. Ok, elle a quel diplôme pour faire ce genre de mélange? Qu'est-ce qu'elle utilise comme produit chimique? Pose-toi des questions, ok? Parce que c'est ton corps. Lorsque tu auras les tampons, est-ce qu'elle va te donner quelque chose pour effacer ça? Ok? Lorsque tu auras la maladie, est-ce que tu peux la porter plainte? Elle est capable de te rembourser? Quel genre d'assurance elle a pour son pratique? Posez-vous ce genre de questions, mes sœurs. Ok? Parfois, lorsqu'on vous donne ce genre de conseils, c'est pas pour vous dire ce que vous devez faire avec vos corps. Non. C'est parce que parfois, on voit les dangers
des choses chimiques que vous êtes en train d'appliquer. C'est pour cela que, à tant que ce, on vous dit juste avec tout l'amour d'être prudente, ok? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Bye bye les divas, bisous.